parallèle de l'arc de triomphe. On a démarré, on est en voiture, on décolle. Dépêchez-vous les amis, ils sont déjà en train d'arrêter des véhicules, c'est maintenant qu'il faut envoyer des renforts, c'est maintenant, ils savent plus où donner de la tête. Pourquoi vous manifestez, madame ? Bonjour madame, pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pour la liberté. Vous venez d'où? Des Landes, de des Landes. Et oui. Ça fait combien de temps qu'avec tout le monde? Ça fait 3 jours qu'on est parti. Et vos réclamations, vos revendications, ce sont lesquelles? Nos revendications veulent juste être libres, c'est tout. Et la suite du convoi pour vous, c'est quoi l'optique? C'est le blocage de Paris? Non, pas le blocage de Paris, c'est se faire entendre. Mais concrètement, vous demandez quoi au président de la République? On demande quoi? Qui lève certaines interdictions pour ceux qui ne sont pas vaccinés déjà, parce qu'on est dans un pays libre et on peut choisir ce qu'on a envie et pour nos enfants aussi on se bat. <t'en>
Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez de la situation actuellement sur les Champs-Élysées avec ce blocage du convoi? Je pense que, alors certes cette manifestation était interdite, mais c'est un élan et un appel du peuple qui veut préserver sa liberté. Voilà, moi je suis parfaitement opposé au pass vaccinal. J'estime que l'action de ces gens qui sont ici est légitime malgré tout, même si voilà, vous voyez ces bons enfants, ces gens ne sont pas des casseurs, ne sont pas des gens dangereux, et je pense qu'il ne faut pas les blâmer parce qu'ils sont là aujourd'hui. Donc je leur apporte tout mon soutien. C'est très joli de voir des centaines de drapeaux français, vous le voyez. Ce sont des gens qui sont là dans un élan patriotique d'amour de la France, qui veulent préserver leur liberté, je pense que c'est très bon. Vous avez fait ce parallèle justement avec la liberté. Que pensez-vous de ce déploiement policier lorsqu'on sait que 1700 policiers ont été déployés, 20 unités de la Brave, plusieurs dépanneuses et même des véhicules blindés de la gendarmerie? Alors je pense que cela fait partie tout simplement, donc voilà, c'est la loi, hein, n'est-ce pas? La loi s'applique, elle doit s'appliquer en tout temps, en tout lieu, et donc il y a un dispositif policier qui est là pour éviter les débordements évidemment, mais aussi pour que d'autres personnes viennent s'en prendre à la manifestation. Donc je pense que le déploiement policier est conséquent, mais qu'il est totalement légitime aussi, puisque ça reste la loi, donc c'est normal. Vous êtes un fervent défenseur d'Éric Zemmour, même un soutien. Quelle est la position d'Éric Zemmour vis-à-vis de ce convoi justement de la liberté? Alors le convoi, je ne sais pas, mais je sais qu'Éric Zemmour est opposé au pass vaccinal également. D'accord. Et s'il devient président, est-ce qu'il le supprimera ce pass vaccinal? Oui. Oui, complètement. Oui. Il l'avait dit à plusieurs reprises. Il Et moi je passe juste derrière, je suis client d'aide. Monsieur, bonjour. Vous manifestez actuellement sur les Champs-Élysées, pourquoi? Eh bien pour retrouver les libertés. D'accord. Et quel est votre positionnement justement vis-à-vis de toutes ces restrictions sanitaires? Ben, c'est liberticide, hein, comme tout le monde le sait, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'actuellement vous êtes ici sur les Champs-Élysées? Voilà, on veut une vie normale et on veut stop à la dictature et aux engagements non légitimes. Voilà. Quel est l'impact de ces mesures sur votre quotidien à vous, tout simplement? Une perte de son gagne-pain, quoi. Moi, j'ai un chiffre d'affaires en baisse, 70% de moins. Vous êtes de quelle profession? Je suis vendeur indépendant parce D'accord. que je suis pas vacciné, parce que j'ai pas le pass, donc je suis réduit. Et vous venez d'où, vous, quoi, personnellement? Les Champs Toulousains. Ça fait combien de temps que vous voyagez pour ce convoi? 3 jours. Et ça s'est passé comment, justement, pour venir sur les Champs-Élysées? Super. En sachant qu'il y a des points de contrôle dans à peu près toutes les portes de Paris? Dans la discrétion et dans le sourire. Madame, bonjour. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui sur les Champs-Élysées? Contre toutes ces mesures débiles qui ne servent absolument à rien. Contre le vaccin aussi, il y a énormément de décès et d'indésirables très graves. Ils nous cachent la vérité. Les gouvernements sont des mafieux et des voyous, des criminels. Et j'espère qu'ils paieront tous leurs crimes. Et les revendications à travers ce convoi, celles sont lesquelles par rapport à vous? Pour moi, déjà qu'ils arrêtent toutes ces mesures sanitaires. Déjà qu'on retrouve notre liberté. Déjà, pour moi, c'est le primordial. Voilà. La non-vaccination des enfants, non l'obligation. Enfin, pas de vaccination sur les enfants, parce qu'il y a beaucoup plus de risques que de bénéfices. Et ça, c'est prouvé par des docteurs épidémiologistes très connus, mais qui ne passent jamais sur les réseaux sociaux. Des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Il y a Louis Fouché, il y a le docteur Perron, il y a le docteur Henri Ancaude. Et tout cela, ils nous aident et ils nous informent. Et maintenant, on sait ce qui se passe avec les vaccins. Personnellement, vous venez d'où dans la France? Nîmes. Nîmes. Comment s'est passé le voyage globalement?
Alors au début, super, on était acclamés comme des héros, comme des rois, ouais. Et puis à partir de 10 jours, on a pris des routes un peu plus grandes, il y avait maintenant des gens. Alors ce qui était merveilleux, c'était bien sûr de se retrouver avec le même esprit, le partage, l'aide, l'entraide, pour coucher, pour dormir, pour manger, on avait toujours quelqu'un pour nous. Et comment vous avez fait pour venir sur les Champs-Élysées, sachant que toutes les portes de Paris étaient verrouillées? Nous, personnellement, on s'est garé à hier, et on a pris le RER. On est venu à pied. Mais eux, je ne sais pas. Parce que des convois, il y en a 8, je crois, de toute la France. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Ben, ils nous le diront plus tard. Mais on a tellement de choses à se dire qu'on ne peut pas utiliser notre téléphone toute la journée. On est quand même là aussi pour montrer qu'on est. Bah oui. On est là, on est là, on est là, mais si maître ne veut pas nous, on est là, on est là, on est là, mais si maître ne veut pas nous, on est là, on est là, on est là, mais si maître ne veut pas nous, on est là.
Pourquoi vous manifestez aujourd'hui, monsieur? Contre le masque, pour mes enfants et pour la liberté. C'est-à-dire? Voilà, on en a marre de ces... On en a marre de ces procédures qui nous sont données par Paris. On veut vivre, on veut être libre, qui nous foutent la paix. Voilà, c'est simple. On vient d'Avignon, voilà, tout le groupe d'Avignon. Laissez-nous sans masque, laissez-nous vivre. Si à Paris, vous voulez avoir un masque, nous, on veut avoir la paix, tout simplement. Et pour, voilà, pour manifester pour la liberté, voilà ce qu'on veut. Foutez-nous la paix, laissez-nous vivre, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui nous maternent. Voilà. Parce qu'ils nous entendent pas quand on manifeste à Avignon, ça les fait rire. Alors on vient ici, tout simplement, on en a ras-le-bol. On veut la paix, qu'ils nous foutent la paix. Nous on veut plus porter de masque, on veut vivre, on veut plus de passe. Et je veux surtout que mes gamins ils aient plus de masque à l'école, j'en ai ras-le-bol de leurs conneries. Le pouvoir d'achat c'est important aussi. Le pouvoir d'achat c'est important, mais tout va avec de toute façon. Vous inquiétez pas, c'est tout qui va avec. C'est-à-dire? Bah c'est simple, les gens, il y a ceux qui se soumettent et ceux qui veulent pas se soumettre. Et nous, on veut pas se soumettre, on veut vivre, on veut être libre, tout simplement. C'est pas grand-chose ce qu'on demande. Voilà, moi, mes deux gamins, ils sont à la maison et ils ont dit « Papa, vas-y pour nous, on est là. » Tout simplement, il faut nous laisser vivre maintenant. Merci. Voilà, la seule chose qu'on demande. Merci à vous. Vous êtes pas au courant? Ah ben oui. Ah oui, et c'est qui? C'est quoi comme radio? Ah d'accord. Alors eh ben, on est là pour la liberté, pour la suppression du pass sanitaire, pour ces lois liberticides, et puis pour changer de paradigme. Pas essentiellement, c'est vrai que c'est important, mais la liberté c'est très très important. De Normandie. Manifester, tout simplement, parce que c'est encore un droit qui nous reste et qu'on espère pouvoir l'utiliser encore longtemps. Parce qu'on a manifesté, parce que c'est organisé, monsieur, par le Convoi de la Liberté et ça faisait partie de l'organisation, de se retrouver. On s'est retrouvé à Chartres, on a eu un cours et après, il y avait comme point de rencontre Paris. Qui était le point de convergence. C'est important pour vous de vous retrouver en nombre comme ça? Bien sûr. Comment ça fait? Solidarité, fraternité, amour. Voilà. Là, l'ambiance sur les Champs-Élysées, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre sentiment? Super heureuse. Pas de problème. C'est-à-dire? Bah, regardez, on est libre. On est libre, on circule et on a choisi quelque chose. On ne choisit pas pour nous. Voilà. Les cheveux gris sont là, les cheveux gris sont là. Allô Paris. Allô Paris. Aujourd'hui, regardez, vous connaissez le mot liberté. Voilà, définition du dictionnaire, liberté. C'est tout, on est là pour la liberté. Pour la liberté. On manifeste pour retrouver notre vie d'avant, pour qu'ils nous lâchent la grappe, pour qu'ils nous laissent nos enfants tranquilles, pour qu'ils permettent à nos enfants d'aller vaquer à leurs activités sportives comme avant, de ne pas les embêter avec le masque. On a aujourd'hui la preuve qu'on n'est pas dans un monde de gens lucides. On n'a pas un vaccin, ce n'est pas du tout un vaccin. On en a la preuve aujourd'hui. Donc, revenons-en à la vie d'avant, qu'on laisse nos enfants vivre en paix, qu'on nous laisse, nous qui avons fait le choix lucide de ne pas nous vacciner, de vaquer à nos activités, nos loisirs, sans contrainte. Ce n'est pas si grand chose qu'on demande. Est-ce que vous avez des revendications sur le pouvoir d'achat aussi? Il y en a d'autres qui ont des revendications sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas mon cas. Je veux juste vivre dans un pays libre. Et si ça continue ainsi, je vais tout simplement quitter ce pays que j'aime bien pourtant. Mais il est inadmissible pour moi de vivre dans un pays qui n'est plus libre, où je ne peux plus rien faire, je ne peux plus aller au ciné, je ne peux plus aller au resto, dont j'avais déjà prévu de partir. Pourquoi est-ce que tu as envie de venir à Paris aujourd'hui sur les Champs-Élysées? Parce que, pour tout vous dire, je suis un peu déboussolé de voir que les Français ne réagissent pas.
Donc là, on vient pour mettre un coup de shoot à tous les Français, ceux qui ne se réveillent pas, de se dire, oh, réveillez-vous. Vous êtes fait lobotomiser, réveillez-vous. Prenez votre destin en main, allez vous battre pour récupérer vos libertés. Vous venez d'où? Je viens de Toulouse. Racontez-moi, qu'est-ce qui vous a motivé et ce voyage? Mais je viens de vous dire, monsieur, je suis sur le point de quitter ce pays, tout simplement. Autant vous dire que ça me touche de ne plus d'être assigné à résidence, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir vaquer à ses loisirs, de ne pas pouvoir... voilà, je suis assigné à résidence. Donc c'est soit je quitte le pays, soit je me bats, comme c'est le cas aujourd'hui, pour que les choses reviennent dans l'ordre. Vous me racontez un peu votre voyage, votre trajet, vous êtes parti quand? Les différents arrêts. Parti de Toulouse jeudi, c'est hier. Une halte à Limoges, une halte à Orléans hier soir et une arrivée ici ce matin. Vous êtes venu attendre plusieurs jours, comment ça va se passer? On va dire que on ne sait pas comment ça va se passer aujourd'hui. On ne savait déjà pas si on allait être sur les Champs-Élysées. Donc on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est motivé. Ça, on le sait. On est motivé. Après, la suite des événements se fera en fonction du déroulement. C'est bon, on a notre coup de com'. Liberté ! Ouais, liberté ! Ouais, liberté ! Tu vas arrêter de porter le masque. La démocratie ! Pour être libre. Être libre. Arrêtez tous ces passes sanitaires, les passes vaccinales, pouvoir vivre, pouvoir aller au restaurant, pouvoir être libre. Pourquoi c'est important de venir sur les Champs-Élysées? Parce que c'est le symbole ici, c'est tout ici, tout se passe ici. Hein. Comme ça? C'est-à-dire le symbole, ça veut dire quoi? Symbole de la liberté. Merci. On en a marre du totalitarisme qui s'installe. On en a marre pour nous, pour nos enfants. Nos enfants ont le droit au respect. Ils ont le droit d'être élevés dans une société qui est bienveillante, qui sait s'occuper de ses enfants. C'est l'avenir de notre pays. On les maltraite. On les maltraite à l'école. On les maltraite tous les jours, des heures et des heures par jour, sous le masque. Ils ne peuvent pas respirer. Voilà, des mesures sanitaires qui sont... Voilà, ça suffit, c'est lamentable. Est-ce que vous avez des revendications sur le pouvoir d'achat aussi? Ah ben ça c'est une autre histoire. Là pour le moment, nous, ici là dans cette voiture, c'est surtout les libertés. Les libertés, mais évidemment ça va avec, hein. On n'est pas naïf, hein. C'est tout un ensemble de choses. On veut la liberté, égalité, fraternité. Merci. Bordeaux. Racontez-moi de votre voyage. Bordeaux. Ça fait deux jours. De la loi. Plus de passe vaccinal, plus de passe sanitaire. C'est fini, ça, on veut plus. Le peuple devient souverain. Liberté, résistance. Liberté. Ah, moi, je suis un grand-père. Moi, je suis là pour mes petits-enfants. Pourquoi je manifeste, à ton avis? Pourquoi on peut manifester? Ah, ils savent pas. Ils savent pas que ça fait deux ans qu'on leur met des quenelles. Ça fait deux ans qu'on leur ment, deux ans qu'on les manipule, deux ans qu'on les soumet. Mais putain, mais tout le monde devrait être là. Tout le monde. Il faut se réveiller, les gars. Réveillez-vous. Pourquoi c'est important d'être sur les Champs-Élysées? C'est symbolique, expliquez-moi. Nous, on vient d'Avignon. On s'est arrêté à tous les points. On a vu de la solidarité, de l'amour de partout. Moi, je veux pas que mes petits-enfants ils vivent ce monde-là. Je veux un monde libre. Il nous prive de trop de choses maintenant, c'est terminé. 4 jours qu'on s'organise, 4 jours qu'on trime. On vient de Bayonne, ça fait 4 jours qu'on roule, 4 jours qu'on s'organise, 4 jours qu'on est solidaire, 4 jours qu'on est avec tout le monde. Et c'est magnifique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Pourquoi c'est important de venir à Paris pour vous? Pour nos libertés. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de liberté et qu'on oblige à faire des choses, moi je suis pas d'accord et je suis là pour ça. C'est-à-dire la liberté concrètement, par quoi ça se traduit? Bah premièrement c'est le pass vaccinal qui a déclenché ça. Hein.
Donc s'il n'y avait pas eu le pass vaccinal, je pense qu'on ne serait pas là. Mais malheureusement, voilà, ça commence, c'est la division, ça nous divise, ça nous... Non, ça va pas, on peut plus. Hein. Donc on n'est pas vacciné, donc on n'a plus le droit d'accéder à rien, donc nous on n'a plus le droit de rien faire parce qu'on a fait un choix. Et non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et puis c'est un tout. Après on vient tous pour des choses différentes, mais c'est global. Est-ce que vous avez des revendications sur le pouvoir d'achat aussi? Ah bah, bien sûr que oui. Excusez-moi. Bien sûr que oui. Bah le pouvoir d'achat et surtout le SMIC, la vie est trop chère par rapport à ce qu'on gagne, c'est plus possible. Moi je suis chauffeur-livreur, je gagne un SMIC tous les mois, j'arrive plus à vivre, ça fait des années que c'est comme ça et c'est plus possible. Voilà. Bah qui se bouge les fesses, il n'y a rien d'autre et qu'on arrête de nous prendre pour des cons. C'est aussi simple que ça quoi. Vous savez, j'ai que 33 ans, je suis ici obligé de manifester, de venir à Paris de Bayonne alors que j'ai autre chose à foutre. Et malheureusement, je suis venu ici jusqu'à Paris dépenser mon essence, user ma bagnole, niquer tout pour pouvoir venir ici, pour pouvoir bloquer, essayer de faire comme nos cousins. Voilà, parce qu'on a envie que le moment soit solidaire et que tout le monde soit avec nous et on a envie aussi de regrouper tout le monde. Parce que c'est pas que le pouvoir d'achat ou tout ça, c'est aussi être solidaire. Là c'est une réussite pour vous, ce qui se passe sur les champs, c'est une réussite pour vous. Comment ? C'est une réussite pour vous là sur les Champs-Élysées ? Bah c'est une fierté déjà. Et écoutez, nous on est là et puis après on verra ce qui se passe. On espère que tout le monde sera là avec nous et qu'on sera beaucoup et qu'on sera des milliers ou des millions, j'en sais rien, mais voilà, jusqu'au bout. Pourquoi c'est important de venir sur les Champs-Élysées ? Bah parce que. Parce que c'est un endroit symbolique. C'est symbolique pour Paris et puis je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour bloquer aussi Paris. Voilà. Donc, on est là, on est là. Putain, on a failli là. C'est parti d'où, c'est quoi? Allez !
tu tires pas. Et pourquoi il fait ça? Il est infirmier, il fait aussi bien pour mon gamin. C'est un bouche à merde, vous avez les nerfs. On leur demande de s'asseoir sur des bits, ils le feraient. Non mais attendez, je vais savoir. Moi c'est mon... Dépérase!
Mais j'entends, monsieur. J'entends, monsieur. Monsieur, moi, je suis uniquement fonctionnaire de police. D'accord ? Donc, je suis obligé de faire respecter mes instructions. Je vous demande gentiment de quitter les lieux, s'il vous plaît, monsieur. D'accord ? Merci. Allez, il y a des vrais mobs quand même. Allez-y, on laisse passer, monsieur. Commandant. Commandant. Il y a un tiers 311 qui demande pas d'être. Je vais t'appeler. Allez, va sur la chaussée. Thank you.
je suis journaliste, monsieur. Un journaliste. Sur le mais je arrêtez. Oh, oh, arrêtez là. Allez là-bas. Putain. Ta casquette, Rémi, ta casquette. Allez, allez. Vous aussi. Eh, hey, vous me rendez ma casquette, monsieur. Vous me rendez, ma casquette. Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi ça? La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. À vous. La Macronie. Thank you.
Juste sur le trottoir. Oui, regarde, je suis sur le trottoir, je fais 5 mètres et je suis sur le trottoir. Il n'y a aucun sens. Allez les gars. Allez, c'est parti. Allez, trottoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, soyez sage.
Ça. Alignez-vous sur la gauche! Par contre,
Écartez-vous, les petites puces. Écartez-vous. Yeah.
la discuter.
T'es pas là. C'est à vous. Merci.
Attention devant, il y a des obstacles. Ah. Thank you.
Thank you.
On avance un peu dans l'hôtel. Ouais. Et puis on fera un gauche-gauche, on ira voir. Pas de façon, hein. Liberté! Liberté! Liberté!
Ils sont bêtes dans la fumée. Thank you.
Non mais vous, ma pièce d'identité, vous la brûlez. Vous n'avez pas quoi. Non, 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 non. C'est trop lâche.